Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour l'étape numéro 5. Comme je vous l'ai dit hier, on a changé de spot, on est à Poligny. Aujourd'hui le parcours c'est assez court, 3,7 km. Mais c'est 2 km de montée et 2 km de descente. Assez technique apparemment, donc on verra bien. On va essayer de s'accrocher sur la montée, pas craquer. Parce que les jambes commencent à être un petit peu lourdes quand même, on va pas se le cacher. Et puis sur la descente, selon le terrain, on essaiera de tout envoyer et de faire le meilleur chrono possible. Vous l'avez vu, hein, je vous ai fait de toute façon plein de vues drone, mais le cadre est juste magnifique, il fait super beau. J'espère qu'il ne fera pas trop chaud, pardon. Donc on verra bien. Quoi qu'il en soit, je vous donne rendez-vous sur la ligne de départ. T'es prête, pépinette? Toujours prête, toi? Oh, mais la vue, par contre. Oh, la vue, elle fait plaisir. Oh là 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 là. Quel plaisir! Et bim, c'est parti! Nouveau parcours, nouveau spot, on est hyper excité, hyper enthousiaste. Allez, gauche! Vous le voyez, mais ça monte direct et ça va être ça pendant les deux premiers kilomètres. On le sait, ça va être dur, devant ça va bien monter, derrière aussi, donc on s'accroche. Dès qu'il y a une zone roulante entre deux côtes, on en profite, on bombarde, c'est ici qu'on peut gagner un petit peu de temps, donc on n'hésite pas. Ça devient dur, ça monte, ça brûle dans les cuisses, mais on s'accroche, le cardio est bien haut. Derrière, Richard est en train de se rapprocher et devant, on a Ludovic qui monte très bien. Donc c'est pas le moment de craquer, on sait que c'est 2 km qu'on va vite être en haut, donc faut surtout pas craquer. Stratégiquement, on sait que les montées, ce n'est pas notre fort, mais on peut faire une grosse différence sur la descente technique, donc on tient le coup jusqu'en haut et on essaye de les garder à distance. Ça y est, on est en haut, on passe en mode attaque, la course est courte, faut y aller, faut taper dedans, donc c'est parti! Vous le voyez, mais on est en train de se rapprocher de Ludo, on prend tous les risques, on a aussi besoin de se rassurer, avoir confiance et ne pas se paralyser pour nos chevilles de l'année dernière qui, je vous le rappelle, ont tourné deux fois. On vole clairement, je suis en équilibre à l'extrême limite, mais que c'est bon cette sensation, le cardio haut, les muscles contractés. Allez, on continue! I believe I can fly.
dernière partie du parcours. On pousse une dernière fois sur les cuisses, Ludo revient à fond, on a 15 secondes à aller chercher, donc faut vraiment le tenir à distance. Je vous laisse avec le duel de fin, un finish côte à côte magnifique. L'objectif, il est atteint dans tous les cas car on a su en monter. Mais là, on va se battre pour les secondes et puis surtout pour ce moment qui est juste magique de finir côte à côte sur les 500 derniers mètres à tout donner. Non, franchement, c'est des beaux souvenirs et de belles images. Bien joué. Bien joué. T'as géré. T'as géré tes pignettes. Ok. Ouais, nickel. Et toi? Difficile, mais bon. Ouais, nickel. On a fait une belle descente. Ah, les courses comme ça, ça fait plaisir. Eh ben dis donc, c'est ce qu'on appelle du finish, hein. Purée, quelle course! Vous l'avez vu, hein, c'était court, intense, il y avait des bonnes petites montées au départ. On a fait une descente magistrale. L'avantage de Pepper, c'est que comme elle est légère, bah forcément, j'arrive à bien la retenir et je peux vraiment bombarder. Ma seule crainte, bah, c'était mes chevilles. Hein. J'avais pas envie de me faire une cheville, il faut que je me remette en confiance. Et je pense que là, il y a eu le déclic, ça y est, je me suis remis en confiance sur la descente parce que bah, j'ai fait une belle descente, c'est ce qui nous a fait gagner des secondes aujourd'hui. Le finish est juste trop bien, c'est un vrai combat hein, qu'on se mène avec Ludovic. 5 épreuves et aujourd'hui je lui reprends 15 secondes, il avait je crois 14 ou 15 secondes d'avance, donc on est à quelques secondes près au même chrono, donc c'est assez dingue, ça promet 3 dernières étapes magnifiques. Demain ça sera le parcours le plus plat apparemment autour d'un étang, donc on essaiera de mettre de la vitesse, va falloir trouver la force d'aller vite. On fait un 360 sur nous-mêmes, on a des montagnes de partout, enfin c'est juste sublime. Donc ouais, non, une bonne petite étape aujourd'hui et puis on se retrouve demain pour une course de vitesse. On va essayer de faire au mieux, de s'accrocher et puis écoutez, je vous dis